C'est fou. Tout le monde te donnait, mais 20 ans plus jeune, quoi. Ouais, mais j'étais vexé, je pensais qu'ils allaient dire 25 quand même. Ouais. Salut tout le monde, c'est Théo Gordy, vous êtes sur la chaîne Addict, et aujourd'hui je suis avec David Guetta. Salut David. Salut. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Super. Aujourd'hui, c'est les Energy Music Awards. Il y a énormément de monde un peu partout, là, t'as dû le voir, autant devant le palais que devant les hôtels, etc. Je me suis dit que c'était cool d'aller avec ma caméra et de demander à tes fans de te poser des questions un peu insolites. Ah, donc, super. Je vais te montrer ça et tu pourras y répondre. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où tu peux faire tes cours sans être reconnu? Il y a plein d'endroits dans le monde où je peux faire mes courses sans être reconnu et surtout depuis que je me suis coupé les cheveux en fait. Pendant un an avec les cheveux courts, c'était assez drôle. Ça m'est arrivé même en France de me balader dans la rue et que les gens ne me reconnaissent pas. T'as posté une photo sur Instagram de toi pour ton anniversaire, torse nu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la tête et j'ai demandé aux gens s'ils pouvaient me dire à qui correspondait le corps. Sans savoir que c'était toi. Oui, c'est Liam. Liam Payne. C'est pas ça. Je vais vous donner un indice, c'est un artiste français. Un artiste français? Ouais. Ah non, mais c'est... Tu vas pas y croire. Hein. M. Pokora? Non. Julien Doré? Non. À votre avis, il a quel âge sur la photo, là, la personne? La trentaine. J'allais te dire, ouais, il a 27, 28, mais ouais. Comme tu me poses la question, on dirait qu'il a plus que ça. Alors là, je suis choqué, c'est qui? Cette personne a... dans les 50 ans... Et cette personne... David Guetta? C'est David Guetta? David Guetta qui a ce corps, je te jure. C'est David Guetta? Mais oui! David! Waouh! Présente-moi ton coach! Je sais pas, fais quelque chose! C'est fou! C'est fou! Tout le monde te donnait, mais... 20 ans plus jeune, quoi. Ouais, c'est incroyable. Mais j'étais vexé, je pensais qu'ils allaient dire 25 quand même. Ouais, c'est vrai, mais on pourrait croire. Mais c'est incroyable. Bah écoute, c'est sympa. Ça va être beaucoup de sport. Ouais, beaucoup de sport et manger du poisson, du riz et des légumes et du poulet, voilà. En fait, les gens sont un peu choqués parce que je me suis jamais montré comme ça, en fait, c'est pour ça. Mais oui. Mais bon, j'ai toujours fait du sport, en fait, mais je me suis jamais montré torse nu et je trouvais ça marrant de le faire le jour de mon anniversaire de mes 51 ans où tu dis, bon, ça y est, le mec, il est vieux. Bon, c'est ça, on va dire, je suis encore là, les amis. Donc, si t'es bloqué sur une île déserte avec Martin Solveig et Bob Sinclair, tu resterais avec qui et pourquoi? Ah ben, on resterait tous les trois, on n'a pas de raison de se séparer, on est très amis tous les trois. Okay. On a commencé ensemble donc, et on a gardé de super bons rapports. Ouais. Quand tu es chez toi et que tu n'es pas en discothèque, tu écoutes quoi comme musique? Alors ça va te surprendre un peu, j'écoute de la soul. J'écoute Marvin Gaye, Stevie Wonder, Diana Ross, du rhythm and blues, trucs vraiment très vieux, des trucs d'avant même une époque que j'ai pas connue quoi en fait. C'était quoi ton plus grand spectacle, ton plus grand show? Sur la plage de Copacabana à Rio, et il y avait je crois 2 millions de personnes. Vraiment, 2 millions. Ouais, c'était vraiment énorme. C'était le jour de l'an et le jour de l'an il y a toute la ville qui va sur la plage. Et il y avait un concert qui était un concert gratuit. Hein. Il n'y a pas eu 2 millions de tickets vendus. Mais bon, en tout cas, j'ai joué pour cet événement. Devant 2 millions de personnes. Bah, 2 millions, en fait, tu ne vois pas la différence. Hein. Au-dessus de 100 ou 200 000, tu ne vois plus vraiment les gens, en fait. Ouais, j'imagine. Ça reste une foule et puis après, il y a du monde. Mais... Ouais. Ok. D'accord. Bah, merci beaucoup, David, en tout cas, d'avoir répondu à ces questions. N'hésitez pas, vous, à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu exclusif comme celui-ci. Puis on se dit à très bientôt. Salut. Salut.